Bonjour les CP, dans cette vidéo, je vais te proposer quelques activités que tu peux faire à la maison. Tu peux fabriquer des animaux avec le carton des rouleaux de papier toilette. Je vais te montrer deux exemples et toi tu es capable d'en inventer plein d'autres. Alors tu peux fabriquer des poissons. Là, ce sont des morceaux de papier collés dessus pour faire les écailles et agrafé derrière pour faire la queue qui a été découpée en bandes. Donc tu peux utiliser du papier en couleur si tu en as, ou tu peux colorier du papier. Tu peux aussi essayer de fabriquer des petites pieuvres. Alors là, ce sont des yeux collés. Si tu n'as pas d'œil à coller, tu les dessines. Et pareil, si tu n'as pas de peinture, tu peux les colorier. Là, tu vois qu'il y en a qui ont été coloriés au crayon de couleur, d'autres au feutre. Tu peux aussi faire germer une graine. Faire germer une graine, c'est faire du jardinage. Donc pour ça, il faut que tu ailles dans la cuisine et tu vas regarder si tu as des graines de lentilles. Donc tu vas mettre quelques graines entre deux morceaux de coton ou deux morceaux de sopalin ou de mouchoir en papier ou papier de toilette, peu importe, que tu vas garder mouillé. Alors, c'est-à-dire que tu mouilles un peu, hein, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau au fond du pot, il faut que les papiers que tu as mis autour soient mouillés. Et tu observeras chaque jour ce qui va se passer. Alors pense bien à l'arroser régulièrement. Tu peux le faire avec des lentilles ou aussi avec des haricots. Tu peux le faire dans un petit pot en verre ou une assiette, comme on a vu sur la première image. Mais tu peux aussi le faire dans un sac de congélation. Comme ça, tu peux l'accrocher sur une fenêtre, par exemple. Et tu vas voir ce qui se passe à travers, sans avoir besoin de soulever le coton. Tu peux aussi faire de la pâte à sel. Alors je te mets la recette. Donc pareil, hein, c'est toujours si tes parents sont d'accord. La pâte à sel, il faut un verre d'eau tiède, deux verres de farine, un verre de sel. Tu mélanges et avec un peu comme de la pâte à modeler, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu le laisses sécher ensuite pendant une journée et tu peux le mettre au four pour que ça soit encore plus solide. Tu peux faire de la pâte à sel blanche et après la peindre. Tu peux faire de la pâte à sel blanche et la laisser blanche. Et tu peux, si tu veux faire de la pâte à sel en couleur, mettre quelques gouttes dedans de colorant alimentaire si tu en as, ou une petite goutte de peinture. Tu peux aussi t'amuser à faire des chorégraphies, c'est-à-dire que tu choisis une chanson que tu aimes bien et tu t'entraînes à faire une chorégraphie, une danse dessus, tout seul ou avec tes frères et sœurs ou ta famille. Tu peux aussi t'amuser à fabriquer une cabane. Mais ça, je suis sûr qu'il y a déjà plein d'élèves qui ont eu l'idée de le faire. Tu peux utiliser des draps, des couvertures, des chaises, en fait toutes les choses de la maison que tu as le droit de toucher pour te fabriquer un abri ou une cabane. Et je te propose en dernier un petit débat philo que tu peux faire en famille. C'est un débat philo qu'on a déjà fait dans la classe. Tu te souviens, on avait expliqué que les deux dernières semaines, que si tu voulais, tu pouvais te fabriquer un bâton de parole. Donc si tu ne l'avais pas fait, tu peux t'en faire un. Le sujet du débat philo aujourd'hui, c'est: à ton avis, se tromper, est-ce que c'est bête ou est-ce que c'est intéressant? Passe une bonne journée, à toi de jouer. Au revoir.